Ça va les gars? Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va encore apprendre la politesse en France. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on dit merci en France. En fait, en France, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo qui est passée, en France, la politesse est vraiment importante. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on dit merci dans de différentes façons. On peut commencer. Donc, la première chose, c'est comment on peut remercier quelqu'un. Alors, de toute façon, il faut dire merci. Et si tu veux, tu peux ajouter d'autres choses. Merci beaucoup, de tout mon cœur, merci de tout mon cœur, je vous remercie. Ben, comme ça. Alors, première façon, quand tu veux dire merci, tu peux dire merci ou bien je vous remercie de tout mon cœur. Vous ajoutez quelque chose qui peut convaincre quelqu'un. Ou bien, tu peux dire je suis tellement contente. Alors, c'est comme quelqu'un te donne un cadeau, tu es comme oh, merci, je suis tellement contente. C'est comme si tu dis merci. Et aussi, tu peux dire « il ne fallait pas » ou « ce n'était pas nécessaire ». En fait, si tu dis que quelqu'un te donne quelque chose, tu es comme « il ne fallait pas faire ça ». Mais en fait, il fallait. Non, mais c'est une façon de parler. Tu dis qu'il ne fallait pas alors que c'était vraiment nécessaire. Donc, il a dû faire quelque chose qui est très beau et tu es comme « mais non, il ne fallait pas, pourquoi tu as fait ça ?» Alors, il devait le faire. Ben, c'est une façon de parler, tu es comme « il ne fallait pas faire ça, comme ça ». Donc, ce n'était pas nécessaire, mais en réalité, c'est vraiment nécessaire. Et tu peux aussi dire « non, mais il ne fallait pas, tu as dû te donner un mal de chien ». Alors, un mal de chien, ça veut dire, c'est donner beaucoup de mal à quelque chose, c'est donner beaucoup de fort à faire quelque chose. Alors, tu es comme « oh, il ne fallait pas, tu as dû te donner un mal de chien, non, mais pourquoi tu as dû te presser sur ça ?» Et tu es comme si tu ne veux pas. Alors, pour dire ça, premièrement, pour remercier, tu peux dire merci et ajouter d'autres choses. Merci beaucoup, je te remercie, merci de tout mon cœur. Ou bien aussi, tu peux dire que je suis tellement contente. Ou bien, il ne fallait pas ou ce n'était pas nécessaire. Ou que tu t'es donné un mal de chien, qui veut dire que tu t'es donné beaucoup d'efforts à faire quelque chose. Maintenant, pour le troisième, on va apprendre comment répondre quand on te remercie. Alors, pour répondre, il y a la plus classique et c'est de rien. Alors, même ça, c'est ce que moi, j'utilise. Quelqu'un te donne quelque chose et quand il te dit merci, tu dis de rien. Ou bien, tu peux dire « je t'en prie » ou « je vous en prie ». Alors, disons par exemple, je vous donne un cahier et tu es comme « oh, je te dis merci beaucoup » et toi, tu es comme « de rien » ou bien « je t'en prie ». Et si c'est quelqu'un que tu respectes beaucoup, tu es comme « je vous en prie ». Très bien. Alors, maintenant, je vais vous apprendre. Et l'autre fois, il y a ce qu'on appelle « il n'y a pas de quoi » ou « il n'y a pas de quoi ». Alors, il y a comme si quelqu'un te donne quelque chose et tu es comme « merci ». Alors, toi, tu seras comme « il n'y a pas de quoi » ou bien « il n'y a pas de quoi ». Alors, on fait juste une abréviation et ça devient « il n'y a pas de quoi ». Et pour finir, c'est moi qui vous remercie. Alors, bon, c'est ça. Donc, quand quelqu'un te donne quelque chose et il dit merci, alors tu dis « oh, c'est moi qui vous remercie ». Disons, par exemple, tu as dit à ton ami de t'amener un cahier et c'était urgent. Et ton ami t'amène quelque chose. Alors, tu dis merci, elle dit de rien. Et toi, tu es comme « mais non, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, pas toi qui devais me remercier ». Alors, pour la troisième fois, c'est comme « comment répondre à quelque chose ?» Tu es comme la plus classique, c'est « de rien ». Je t'en prie ou je vous en prie, il n'y a pas de quoi qui est prononcé. Il n'y a pas de quoi. Et aussi, c'est moi qui vous remercie. Alors, tu es comme si tu es en train de montrer que ce n'est pas si grave, ce n'est pas assez grave, c'est toi que je dois remercier. En fait, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Voilà tout ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui dans notre leçon. On vient d'apprendre comment on peut dire merci en français parce qu'il y a la politesse. Et pour en faire finir, je vais demander à mon autre clown ici. En fait, tu penses que où est-ce qu'on peut trouver tout ce que j'enseigne? Merci beaucoup. Alors pour ça, vous pouvez aller visiter tous les réseaux sociaux. Eh bien, ça se trouve bien sûr sur YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Et aussi, n'oubliez pas d'aller visiter son website www.tracy.rw. Eh bien, c'est là où tu peux trouver tout ce que tu enseignes. Merci.